Alors, que t'a dit ton oncle? Le seigneur Shimura te permettra de quitter l'île, après que tu nous auras aidé à reprendre son château. Ce n'est pas mon combat, Jin. Yuna, c'est notre combat à tous. Montre ce que tu vaux au seigneur Shimura, et il te récompensera. Je te le promets. Seigneur Sakai, nous partons. Ces samouraïs. Quoi qu'on fasse, ça ne leur suffit jamais. Partons pour Toyotama, seigneur Sakai. Le pont est détruit, mais les Mongols ne connaissent pas la vieille route forestière. Par ici. Mon oncle, pardonnez-moi de n'avoir pas pu vous libérer plus tôt. Je n'ai rien à te pardonner, Jin. J'ai vu ce que les Mongols infligent à notre peuple. Je n'ose imaginer ce que vous avez subi. Il faudrait bien plus qu'un chef de guerre boursouflé pour me briser. Il a appris notre langue et vous a gardé en vie. Que cherche-t-il? Il voulait que je lui prête main forte pour conquérir le reste du pays. Il m'a offert fortune, pouvoir et épouse. Il a cru que vous trahiriez votre peuple? Rien que pour cette insulte, je le tuerai. Parle-moi de la femme qui t'a sauvé la vie. Yuna est courageuse, loyale, et elle sait se battre. Ishikawa dit que c'est une voleuse. Nous ne pouvons pas nous permettre de refuser l'aide de qui que ce soit. Ce n'est pas tant la victoire que sa récompense qui l'intéresse. De rudes batailles nous attendent. J'ai besoin d'alliés sur lesquels je peux compter. Vous avez tout mon soutien, et celui de Yuna. Autrefois, le chaos régnait sur notre île. Ce sont les samouraïs qui ont rétabli l'ordre et unifié Tsushima. Nous devons montrer au peuple que les samouraïs se battent toujours pour cette terre. À présent, tu dois rentrer chez toi et prendre possession de l'armure du clan Sakai. Personne ne l'a revêtue depuis la mort de mon père. Tu n'as rien à craindre du passé. Sens cette odeur. Quelqu'un brûle du bois et des corps. Monstres. Ils ont déjà attaqué des fermes au sud, mais jamais de la sorte. C'est la réponse du Khan à mon évasion. Il est impératif de sauver les fermes de l'île. Sans elles, nous ne passerons pas l'hiver. Comptez sur moi. Patrouille mongole devant! Écrasons-les! Oh!
sans samouraï. Des Mongols. Je les ai vus au château de Kaneda. Les loups du Khan, envoyés au nord pour décimer les nôtres. Les Mongols se sont emparés du phare. Nous rallumerons la flamme pour montrer aux Khan que nous arrivons. Le peuple reprendra espoir. Nous devons nous rendre à chaque phare et rallumer leur feu. Yeah.
Il méritait pire. Des renforts. Ils veulent nous piéger. Yuna, que fait-elle ici? Un groupe de guerriers me suit. Ils ont des explosifs. On pourrait s'en servir contre eux. Prépare ton arc. Qu'ils meurent tous! Tuez-les tous! Tu es décidé à te battre à nos côtés? Il faut que je quitte cette île. Et Taka aussi. Nous n'en avons pas encore fini. Allons au phare. Nous rallumerons la flamme. Pour montrer aux Mongols que notre victoire à Kaneda n'est qu'un début. Et prévenir le Khan que nous arrivons. Je suis content que tu sois venu, Yuna. Tu as réussi à faire diversion. À votre service, mes seigneurs. Il nous faudrait plus de combattants tels que toi dans nos rangs. Vous risquez d'avoir du mal à en trouver, à moins d'élargir vos horizons. Nous avons affaire dans le phare. Exprime-toi et laisse-moi tranquille. Yarikawa est riche en guerriers, si ses murs ne sont pas tombés. J'ai réprimé la révolte de Yarikawa. Ces gens ne m'apprécient pas. Je sais. J'ai grandi là-bas. Est-ce là que tu as appris à voler? Yuna vous admire grandement, Seigneur Shimura. Elle peut convaincre les siens de se battre pour vous. Très bien. Aide le seigneur Sakai à lever cette armée. Et tu pourras quitter cette île par le premier bateau. Avec mon frère. Attends-moi dans le vieux Yarikawa. Merci, Jin.
Il est temps de faire passer le message. J'espère que le Khan le verra. N'aie crainte. Nous reprendrons votre château, mon oncle. Et nous détruirons les Mongols. À la façon des samouraïs. Rentre chez toi et prends l'armure de ton père. Recrute les paysans de Yarikawa. J'irai négocier des renforts auprès du shogun. Comment contacterez-vous la grande île ? J'ai moi aussi de mauvaises fréquentations. Dans la crique d'Umugi, un pirate du nom de Goro m'est redevable. S'il est encore en vie, je le trouverai. Amène-le à notre ancien camp de chasse. Nous nous reverrons bientôt. D'ici là, sois très prudent. Je ne veux pas te perdre encore. Monseigneur, nous avons délivré un prisonnier des Mongols. Un moine guerrier. Il souhaiterait vous parler. Un moine guerrier ? J'irai le voir. Seigneur Sakai. Vous et vos compagnons avez toute ma gratitude. Quel temple sers-tu ? Le temple Sugi. Nous sommes partis combattre les Mongols au sud quand nous avons eu vent de la bataille de Komoda. Mais notre voyage a pris fin ici. Je suis désolé. Qu'est-il arrivé ? Nous avons été attaqués, puis faits prisonniers. On nous a jetés dans une fosse couverte. Sans nourriture. Il faisait si sombre que je ne distinguais pas mes propres mains. Ils ont sorti Jogon en premier. Nous l'avons entendu se débattre, crier. Puis les cris sont devenus des hurlements. Une odeur, ensuite, de brûlé. Mais nous avons tenu bon. Nous n'étions plus que trois quand ils ont emmené mon frère, Enjo. Enjo, le gardien ? Désolé d'apprendre sa mort. C'était un grand guerrier. Et un frère encore meilleur. Comment t'appelles-tu ? Norio, monseigneur. C'est là qu'il nous enfermait. Six hommes tiendraient à peine dans ce trou. Et pourtant, nous étions le double. Marchons un peu, Norio. J'ai quelque chose à te montrer. Tu es passé par Toyotama. Comment était-ce ? Le temple de Kushi et les guérisseurs d'Akashima ont été épargnés. Il paraît que le repère de pirates de la crique d'Umugi résiste. Monseigneur. Arrêtons-nous. Les envahisseurs doivent être des milliers. Maintenant que le seigneur Shimura est libre, il va nous mener à la victoire. Tu te joindras à nous, j'espère. Vous pourrez compter sur les moines du temple Sugi. Ils sont à une journée de cheval. Aidez-les, et ensemble nous renverrons les Mongols à la mer. Nous vengerons ton frère, Norio. Tous les moines qui ont péri ici. Je ne souhaite pas me venger, mais je vais me battre pour la paix.
J'irai au village d'Akashima pour aider les guérisseurs. Pour riposter, nous aurons besoin d'eux. Je peux vous présenter Ochi. Mon frère disait qu'il était le meilleur des guérisseurs. Dans ce cas, nous nous reverrons à Akashima. Allons-y, Nobu. Seigneur Sakai, vous connaissez la statue qui surplombe la grande ferme à Kushi? Il y a un jeune homme qui s'efforce à lui seul de la protéger des vandales et des voleurs. Une des sculptures de Maître Iso. Ce jeune homme pourrait avoir besoin d'aide. Ce serait terrible que cette statue tombe aux mains de l'ennemi. Je vous en prie, vous devez à tout prix la protéger, mon seigneur. Nobu, plus vite! Je suis là! Mmh.
Puissent les morts trouver la paix. Avez-vous vu les renards ? J'étais en train de méditer quand un jeune spécimen est venu s'asseoir devant moi. Les renards sont pleins de sagesse. Il a dû sentir votre bonté. Quand je lui ai parlé, il s'est levé et a attendu que je le suive. Le renard m'a conduit à un sanctuaire. J'ai remercié Inari pour cette merveilleuse expérience. Même en ces temps sombres, les Kami illuminent nos existences.
Shinharu. What is Betty? Juste là. À l'aide. C'est fini, tout ira bien. Si un samouraï est vivant, alors le seigneur Shimura est peut-être vraiment libre. C'est un jour merveilleux. Yue!
Vite ! Vous serez bientôt libre. J'ai prié pour ça. Faites attention à vous. Oui. Chiharu! Faites vite! C'est fini, tout ira bien. Mes prières ont été entendues. Allez-y, et faites attention. Monseigneur, puis-je vous parler ?
Les envahisseurs sont partis. C'est autre chose, monseigneur. Il y a un groupe de bandits qui sème la terreur à Komoda. Ils ont massacré toute ma famille. Comme des bêtes. Alors je les traquerai comme des bêtes. Où ont-ils tué votre famille? Chez nous, au nord d'ici, près de la rivière. Je vais m'y rendre pour chercher leur piste. Comment vous appelez-vous? Saki, monseigneur. Je vengerai votre famille, Saki. Vous serez bientôt libre. Merci, monseigneur. Ma famille. Elle est encore retenue prisonnière à la ferme de Takeshiki. Je suis passé près de la ferme après l'invasion. Elle a été détruite. Ma famille essayait de la reconstruire. Je la retrouverai. Thank you.
Quand les Mongols auront été chassés, je me gorgerai de poires de Shinano, de thon frais et d'algues sucrées d'Azamo. Allons-y, Nobu. Sûrement la maison de Saki. Je vais voir à l'intérieur. Une carte indiquant cet endroit. Il est écrit « Alors enfin nous serons réunis ». Ils n'ont pas attaqué au hasard. Il n'y a rien d'autre ici. Je devrais regarder dehors. En essayant de protéger sa famille. Ils étaient nombreux. Ils ont pris la direction de la route. À l'aide, monseigneur. Que s'est-il passé? J'ai entendu dire que la ferme Ketchi était libre. J'ai voulu y apporter des chevaux et des remèdes. Hélas, des bandits m'ont arrêté. Ils m'ont tout pris. Savez-vous où ils ont pu aller? Ils ont parlé du village de Komoda. Du moins, ce qu'il en reste. Je vais m'y rendre. Pouvez-vous marcher?
Ketchi n'est pas loin. Je crois, oui. Donnez-leur une bonne leçon. Ils ont trouvé ça drôle. Vous ne méritez pas de terminer ainsi. Cinta. Şom nasın borgamcı? Yaxşı bitni kimin çartdı o ile? Thank you.
C'est fini, tout ira bien. Je vous serai à jamais redevable. Allez-y, et faites attention. Encore en vie. Merci, monseigneur. Tout va bien. C'est fini. Merci. Faites attention à vous.
Vous êtes au courant, Monseigneur. Des Mongols sont à la recherche de quelque chose de puissant. Quelque chose que notre peuple cache depuis des années. Si les Mongols convoitent cet objet, c'est qu'ils pensent en tirer profit. On raconte que cette armure a le pouvoir de changer un simple fermier en guerrier. Quel effet aurait-elle donc sur un samouraï ? Je n'y connais pas grand-chose, Monseigneur. Mais le musicien Yamato pourra vous renseigner. Aux dernières nouvelles, il était près d'Akashima.